Je m'appelle Léonard. J'ai 9 ans depuis 2 semaines et je suis italien. Bah, bienvenue à Léonard. Tous les deux, Grégory et Stéphane, je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une pièce. Et on est ravis. Léonard de Vinci, racontez-nous un petit peu de cette histoire. C'est toi, Stéphane, qui a eu l'idée, qui a proposé le projet? Alors, c'est moi qui ai proposé le projet à Grégory. En fait, c'est Sylvia Roux qui a adapté un roman jeunesse de Brigitte Kernel, avec Brigitte d'ailleurs, et qui me l'a proposé. Et c'est vrai que très très vite, j'ai pensé à Grégory pour une raison qui était très importante pour moi. Il s'agit donc d'un petit garçon entre 8 et 10 ans qui se raconte. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas habituel. Surtout chez un enfant. C'est quoi, grand-père? Quand tu parlais de l'enfance, c'est l'enfance, l'enfant qui est en toi, voilà. Grégory, et non pas l'enfance que lui a vécue, parce qu'il a quand même, tout le monde ne sait pas, une enfance très chargée, très dure, avec un père très autoritaire. Ce qui n'était pas ton cas. Ce qui n'était pas du tout mon cas, non, pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'il était effrayant, ce papounet. Oui, et puis Leonardo, il a été aussi éloigné de sa maman, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu dans ses jeunes années sa maman, il n'a pas été en contact avec sa maman, donc on imagine à quel point ça peut être un manque de ne pas avoir sa maman, de ne pas avoir de la tendresse, de ne pas avoir de la douceur autour de lui, et en face de ça, d'être en face d'un père tyrannique, dur... C'est un ogre. J'ai eu des moments difficiles avec mon père. Tu es stupide! Comment ai-je pu engendrer un De Vinci pareil? Il s'en est sorti, même plutôt très bien. Comment le génie a réussi à ressurgir? Il s'en est sorti parce que je pense que au fond de lui, il y avait ce génie, il y avait cette manière de regarder les autres, il y avait cette manière d'être en contact avec la nature, avec les paysages, avec les couleurs, avec les odeurs. Il y avait un rapport très ouvert à l'autre. Et il s'en est sorti, je pense, avec ça. Et il s'en est aussi sorti parce qu'il a eu, un grand-père hein, qui a beaucoup compté pour lui. Et puis, il a eu un maître, hein, comme tous les artistes. La lumière est toujours beaucoup plus belle après l'orage. Mais c'est très malin, Léonard. L'azurite donne l'azur. S'il est devenu le génie qu'il est, c'est par sa faculté d'empathie. Sa faculté d'être ouvert sur tout et tout le monde. C'était un petit garçon qui était une sorte de messie. Et cette faculté d'empathie, moi, j'aime assez à penser qu'elle a mené à son génie, à sa capacité de comprendre profondément le monde. D'accord. Bah, moi, je vous propose, c'est qu'on regarde quelques images. Avec okay, plaisir. D'accord, et puis on revient juste après. On y va, les images? Léonard de Vinci, donc. C'est mon nom, depuis ma naissance. Le 15 avril 1452. Votre petit-fils, Signoret de Vinci, est un ange tombé du ciel. Et moi, c'est Léonard. Léonard de Vinci, comme le village en contrebas. J'adore apprendre. À l'intérieur de l'os de notre tête, qu'on appelle le crâne, il y a un cerveau. Suffisait de regarder une seule fois une page, un dessin, et je réalisais dans l'instant comment la machine humaine fonctionnait. La vie est une remise en question perpétuelle. Quel livre sur le plateau? C'est quoi cette idée? Avec la vidéo, il y a un énorme travail de vidéo aussi. Oui. Bah, dès le départ, en fait, je me suis dit qu'il fallait que le livre soit un personnage à part entière. Ça, c'était certain. Et moi, j'adore travailler sur les écarts d'échelle sur mes décors. Donc, tout ça s'est imposé assez vite. Et c'est vrai que ce livre qui s'ouvre me permettait d'explorer tout l'univers graphique de dessin. Je dis bien de dessin. Il y a très peu de peinture et c'est vraiment un choix. La peinture arrive tard dans le récit. Et ce qui était passionnant, c'est d'essayer de trouver le dessin qui allait correspondre à un moment de la vie de Léonard. Et toi, tu as des mannequins. Enfin, des mannequins, c'est pas des mannequins avec toi, oui, sur le plateau, t'as des personnages. Évidemment, c'est un seul en scène puisque je suis tout seul sur scène, mais c'est loin d'être un seul en scène. J'ai des mannequins avec lesquels je joue. Dans l'idée, c'est Léonard à mon âge, 40 ans, la quarantaine. Un peu plus. La bonne quarantaine. Un peu plus. Oui, mais l'âme d'enfant ressort. Voilà, l'âme d'enfant ressort. La quarantaine qui retrouve le carnet qu'il avait quand il était petit et qui relit ce qu'il écrivait quand il était petit. Donc, il va revivre pas mal d'épisodes de sa vie avec les personnages qui l'ont entouré à ce moment-là. Donc, son père, le tyran, son maestro, sa maman, ses demi-frères et sœurs, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui reste de Léonard aujourd'hui? Parce qu'il a fait tellement de choses.
Je pense que pour chacun, il reste quelque chose de très particulier. Évidemment, on va citer les tableaux fabuleux, toutes les études sur l'anatomie, toutes les études techniques. Les enfants ressortent surtout souvent le parachute, l'hélicoptère, l'homme de Vitruve pour certains. On a tous nos images de Léonard de Vinci. Et c'est vrai que cette image, elle est toujours reliée au vieux monsieur avec la grande barbe. Et évidemment, derrière chaque vieux monsieur, il y a un petit enfant. Il n'est pas né comme ça. Il n'est pas né comme ça. Donc c'est ça qui nous a, qui nous a aussi intéressé dans ce texte. C'était la vision d'un petit enfant qui va devenir un, qui va devenir un génie. J'étais très sensible à la fin où tu dis le travail ne s'arrête jamais. La vie est une remise en question perpétuelle. Ça c'est vrai que c'est quelque chose de, qui me touche beaucoup. Pas seulement du travail d'ailleurs, mais que l'idée qu'une situation est forcément impermanente, qu'elle soit positive ou négative, est quelque chose qui effectivement me fait pas mal raisonner. Bon bah écoutez, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci à tous les deux. Et merci comme toi, bah, la construction, le travail s'arrête jamais, bah, moi je vous conseille vivement de retravailler en allant voir au théâtre. Léonard de Vinci, naissance d'un génie. Voilà. Merci. Ciao à tous.